Américain. Vous devez avoir fait trop d'arnaques chez vous. Vous devez venir en France maintenant chercher vos pigeons. Pigeons ou grenouilles, tout ça c'est pareil. Money, my money. Ah non, on va pas jouer à la parlante, hein. On met ça et cette fois, la merloque va perdre sa chemise de sel. Mais c'est pas une chemise, ça. C'est plutôt une sorte de rideau de douche qu'il a dû aller acheter dans un de ses supermarchés, quelque part au fin fond de la Floride. Et voici notre flash d'information. Une grande nouvelle. La célèbre star de l'écran, Barbara Jenkins, nous revient après 3 ans d'exil volontaire qu'elle s'était imposée à la suite de la mort tragique de son mari. Pour la plus grande joie de ces millions de fans qui, à travers le monde, se désolaient de voilà. Plus la voir... Alors on joue au poker, quoi? Ou il faut qu'on se tape les infos, maintenant? Hé, hey, le donneur a ouvert, il vient d'augmenter la mise de 1000 francs. Hey. On y va. Et voilà, t'es 1000 de plus. Bon, je passe. On s'éclate, on paye ensuite. L'American Express vous l'enseigne. Je ne suis pas. Faut pas s'exciter. Ah. Le devoir avant le plaisir, excusez-moi. Hi, honey. Excuse-moi, mais je dois différer notre rendez-vous. Bah, tu connais les Français, tes Françaises, vous êtes si bavards. Mais Tom, chérie, tu m'avais dit que... Oui, mais... Bon, il faut que j'y aille parce qu'on m'attend. Mais Tom, ça va maintenant faire près d'une heure que je t'attends. Qui fait ce boucan? Quoi? Quel boucan? Ah, c'est dans le bureau. Ottavioni est en train de nous briefer, tu sais, pour la sécurité planifiée de Barbara... Comment elle s'appelle? Tu sais, elle rapplique demain. Et quand Ottavioni se lance, on ne sait jamais quand il va terminer. Mais tu seras là à 9h? Oui. Au plus tard, à moins le quart. Yeah. Mais Tom, darling. Zut. J'arrive. Ah, te voilà. Alors, on a l'idée. Bureau de l'inspecteur Ottavioni. Allô, c'est Carole. Ah, Carole, bonjour. Non, Tom n'est pas ici. Et Ottavioni? Ottavioni est déjà parti. D'accord, merci. Mireille, vas-y, s'il te plaît. Mais je suis toute mouillée. Si c'est Jacobi, je le fais. Inspecteur Ottavioni. Allô? Ici, c'est Carole. Navré de vous déranger, inspecteur. Mais j'aimerais parler à Tom. Tom? Ah, Tom. Oui, je viens de l'avoir en ligne. Il est bien avec vous? Oh. Il est aux toilettes. J'attendrai. Ah, vous savez, ça risque d'être long, il a bien déjeuné, hein? Ça, il va le payer. Merde. Demande à voir. Non. Non, je me couche. Eh bien, moi, je suis curieux. Je veux voir. Flash. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, mais c'est pas vrai. Je vous remercie, messieurs. Mais c'est pas vrai. Mais il est pas fini, ce mec. Dites à monsieur la merloque, je vous rappelle, Flash, on dit couleur chez nous, hein. Couleur. Si ce sont de bonnes nouvelles, j'écoute, sinon de... Ah, c'est où? On va s'en aller, monsieur Lepski, parce qu'on a faim. 12 heures de rang, ça suffit et ça tient du prodige de travailler dans ce désordre. Un de ces jours, je vous jure, monsieur Lepski, que je m'en irai... Attention à ce que vous allez me dire, c'est moi qui le signe, votre chèque. Et puisqu'on y est, descendez-le de mon bureau. Descendez-le! De qui parlez-vous exactement? Non, je suis content. Alors, que puis-je pour vous?
Mais je vous dois appeler de Philadelphie. La compagnie a assuré la belle émeraude de votre vedette pour 5 millions de dollars. Il veut que vous alliez à son hôtel dès ce soir et que sa suite soit inspectée. J'ai dit oui, naturellement, à votre place. Parce qu'après tout, c'est lui qui signe le chèque, n'est-ce pas? Ouais, ça va, d'accord. Pauvre chérie qui travaille si tard. Je vais te faire couler un bain bien chaud et te servir un verre. Voilà pour toi, mon grand amour. Merci, baby. Tu es un ange. You're an angel. Angel baby! Woodward m'a appelé aujourd'hui dans le bureau d'Ottavioni. Tu sais, pendant la réunion. Et il veut que je protège Barbara Jenkins. Par conséquent, dès ce soir, toi et moi, on s'installera au Majestic. Alors, comme j'ai dit à Ottavioni, si tu veux bavarder toute la nuit, continue sans moi, parce que moi, j'ai Carole qui m'attend. Il parle encore à l'heure qu'il est. Chérie, tu peux me passer une serviette? Je les passe. Ça ne va pas? Une année, Lepski. Juste un an ce soir. À ne te voir rappliquer que pour la soupe. Un détective minable qui traîne dans tous les troquets. Hé, hey. Attends, je t'explique. Tes explications, tu sais où tu peux te les mettre? Tu sais ce que j'aurais voulu entendre et qui m'aurait fait plaisir? Un mensonge, un seul que je puisse croire, qui tienne debout, grâce à un petit effort d'imagination pour une fois. Joyeux anniversaire, Lipski, et salut! Carole? 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 Carole! Johnny, j'étais certain de vous trouver encore là. Qu'est-ce qui vous prend de travailler des heures pareilles? Et en tout cas, demain, je vous donne votre journée. Et bien sûr que c'est l'unique raison. C'est évident. Bah, des petits ennuis, oui. Mais je vais m'en sortir. En réalité, j'aurais comme un petit problème. Très élégant. Étant donné l'heure et le budget, nous avons fait des prouesses. Je le pense aussi. Mais ma mission, c'est de protéger Barbara Jenkins, pas de lui servir le dîner. Il faut être mon neveu pour prêter sa tenue à quelqu'un de tout à fait inconnu. Merci du compliment. Que fait-il dans la vie? C'est un jeune homme épatant, un mari dévoué et un père exemplaire. Et il est chef de rang? Naturellement, chef de rang. Qu'est-ce que c'est que ce morceau? Musique de fête mortuaire, prélude à l'agonie de soi. Allez, passez à vitesse allegro, un peu de nerfs. Tu bosses pendant 40 ans pour avoir une pension que te laisse juste quoi survivre. Histoire que tu regrettes ton boulot, saleté de vie. Qu'aviez-vous donc comme travail? Juste toi pour moi, s'il vous plaît. Merci. Oh, non, pas pour mon époux. Il boit pour être de bonne humeur, mais ça ne marche jamais. C'est elle, chef. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Il est géré par des bureaucrates. Il faut sortir son chéquier pour se respecter ici. Hein? C'est insensé! Écoute, cette devinette, elle est bonne. Oui, monsieur. Quelle est la différence entre ce canapé au caviar et une chambre à air? Je n'en sais rien. Il n'y en a aucune. Garçon, juste deux doigts pour moi, s'il vous plaît. Thank you. Excusez mon intrusion, mais seriez-vous natif de la Nouvelle-Angleterre? Mais oui, de Vermont. Moonlight in Vermont.
It is so beautiful. Extrêmement amusant. La première fois, oui. Malheureusement, après 40 ans, son éclat. Contrairement à vos joyeux. À chaque fois que Danny ouvre un autre restaurant, il m'offre un petit quelque chose. Kansas City, Dallas, Boston, Los Angeles. Vous êtes le plus bel arbre de Noël que j'ai vu de ma vie. Thank you. Sans aucun doute. Qu'est-ce que tu fiches ici? J'ai reçu des ordres. Moi aussi. Écoute, Barbara Jenkins a toujours été à l'heure. Et on m'a confié l'arrivée du yacht à 6 heures demain matin. T'as su ça au bistrot? C'est par un pêcheur que je l'ai appris. J'en ai cherché deux beaux loups de mer. Lâche-nous, veux-tu? Ils frétillaient sur le pont. J'allais les déposer sur des branches de fenouil, tu sais, et en mariner dans le pernaud. Alors j'aurais ajouté. Et te fatigue pas, j'ai entendu ta recette 1000 fois. Au sujet de l'appel de Carole, je suis désolé. Ouais, je suis au courant. Moi aussi. Inspecteur, peut-être qu'on devrait tout de suite investir l'hôtel. J'ai jeté un œil sur le plan. C'est un vrai labyrinthe. Des tunnels, des conduits, des corridors. D'accord, Jacobi, d'accord. Fais l'éclaireur. T'es là incognito? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Jeune homme, vous nous faites mourir de soif. Venez nous servir tout de suite. Nous sommes aux tables près de l'orchestre. Hubert, voulez-vous aller aider Christian, je vous prie? Oh, monsieur Lepski, vraiment, je suis confus. Mes dodos, vous ressemblez beaucoup à l'un de nos garçons. La suite, est-ce qu'elle est prête? Pour la diva, oui, naturellement. J'avoue être impatient de la rencontrer. Tout ce mystère à propos de son comeback, c'est très excitant. Prenons un verre, vous me mettrez au courant. Si vous permettez, je vais d'abord faire cette visite et ensuite nous passerons en revue les ragots. Et si nous postons deux gardes à sa porte? Paranoïa très accrue. Considère que tout personnel de sécurité est comme une atteinte à sa liberté. Très fragile émotionnellement. La suite est vraiment confidentielle. Où avez-vous eu ça? C'est par les graphologues de la société. Et cette émeraude de 5 millions de dollars, elle ne va tout de même pas la porter ici. Il y a des coffres privés dans toutes nos suites, mais enfin... J'essaierai de la convaincre. Vous pensez y parvenir? Non. Vous y voilà. Voici notre plus belle suite. Elle lui plaira, j'en suis sûr. Pas mal, pas mal. Ça pourrait résoudre le problème. Que Dieu vous entende. Barbara Jenkins, plutôt.
Ok. Ça suffit pour ce soir. Allons-y. Et merci. Je vous en prie. Merci encore pour tout. Je crois que ça devrait aller. Et oui, c'est une très belle suite, et si elle le met dans le coffre, nous devrions avoir aucun problème. Oui. C'est fini. La police va arriver. T'as juste commis une petite effraction, alors t'iras même pas en prison, hein? C'est rien de grave. Et je te jure que je ne porterai pas plainte. Genèse 18. Tout ce qui était sera... Terrible, c'est épouvantable. Comment saviez-vous qu'il était là? Tout ici était tellement superbement rangé. A été impossible qu'un service d'étage aussi stylé. Laisse traîner ça. Papier, aucun indice. Même les marques, il les a enlevées. Pour l'identification, tu vas pas te marrer. J'ai peur que Rouletabille ait donné dans le surexposé, hein? Et bien entendu, il avait mis des gants. Mais de toute façon, ces empreintes nous aideront pas à grand-chose. Aucune photographie ne doit parvenir à la presse. Et à ceux qui t'appelleront, tu diras que c'est un accident de la circulation. Le piéton était renversé par cette volière de course. Jacobi, sois crédible. Quel dommage! Et juste quand la musique devenait plaisante. Il s'est tué par amour. Ne cherchez pas plus loin. Il s'est tué par amour. C'était comme pour moi. Enfin, je veux dire pour mon ex-fiancé. Oh, vous faites preuve d'une sacrée mémoire. Vous en avez un culot. Vous êtes grossier. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demanderai de regagner le restaurant. J'interrogerai personnellement chacun de vous. Mesdames et messieurs, vous pouvez regagner vos chambres. Merci. Roulez des écoutes. Ils n'ont pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre. Que la distance parcourue par le corps en chute libre a été égale au carré du temps pris à accomplir cette chute, loi de Newton, on le sait, merci. Il n'y a pas à chercher. Pour moi, ce mec était un fan de Barbara Jenkins, voilà. Il était là, en repérage. Il serait revenu par la suite, comme ça, pour piquer des trucs lui appartenant, de la lingerie, quelque chose à accrocher au mur. Quelque chose à sentir. Voilà. Alors, il n'aurait pas sauté. C'est pas logique. C'est toi qui n'es pas logique, là. Écoute un peu. Exception faite de sa secrétaire, personne n'a pu la voir pendant 3 ans. C'était suffisant pour allumer ce dingo. Hmm? Attends de l'avoir vu. Là, tu comprendras. Tu l'as vu? Ah, ses yeux. Tu croises son regard et tu plonges tout de suite. Et peu t'importe d'être au 7e étage. Je peux te le dire, son regard t'obsédera. Tu la connais? Bien sûr que non. Je l'ai vue dans ses films. En tout bien tout honneur. N'ajoute rien, tu t'enfonces. Mais lui, c'était pas son regard. Ça ne marche pas, ton truc. Tu oublies ce qu'il a dit juste avant de sauter. Genèse 18. Oui, ça fait un peu trop rock'n'roll. Peut-être le nom d'un groupe. Je t'accorde que c'est pas un taré ordinaire. Je crois qu'on a affaire à l'illuminé de service, qu'en penses-tu? Un suicide au majestique, et pendant que le midem bat son plein. Ça ne peut guère m'attirer les clients.
Bon, allons, personne ne doute que les chambres du Majestic soient confortables. Mais quand on part sur la plage, en passant par le balcon, la première marche est trop longue. Elle pourrait confier son émeraude à l'hôtel, nous avons un coffre. Elle va refuser. Cette émeraude est tout ce qui lui reste de Jet Ken. Pour elle, il était tout. L'époux, l'amant, le frangin, l'agent. C'est à cause de sa mort qu'elle est partie s'exiler dans son château en Sardaigne. Dans la police française, on est drôlement renseigné. Et en vue de cinéma, hein? Il y a une loi contre ça? Hé, relax. Tu as été un peu fort avec l'aftershave, toi. Tu sais, Barbara Jenkins n'arrive que demain matin. Alors, faut plus t'asperger avec cette merde avant qu'elle vienne, ou mieux, avant qu'elle ne reparte. Et si on allait à la morgue maintenant, hein? Ça serait plus marrant. Hein? Tu crois pas? Bonjour, vous êtes bien chez Carole Charron. Elle est absente pour le moment. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons. Ah, c'est moi. Excuse-moi pour hier soir, je... À moins que vous ne soyez Tom Lepsky, auquel cas c'est très clair, va te faire foutre. On n'a rien au sommier sur ce type. On n'a jamais vu sa tête et ses empreintes sont pas au fichier. Et même pas de bracelet-montre, pas de papier, que dalle. Il a crié « Jeunesse 18 » avant de faire le funambule. Ça doit bien avoir un sens. Genèse, verset 18. C'est alors que Sodome et Gomorre furent détruites. Dieu était en colère et Abraham essayait de le calmer en vain. Peut-être qu'il était dégoûté de la morale du surbusiness. Les jeunes veulent de vrais héros de nos jours. Elle, qu'est-ce qu'il pouvait lui reprocher, hein? Elle fume pas, elle boit de l'eau, on lui connaît aucune aventure. C'est pour la presse un désastre. Ils en savent autant sur elle qu'on en sait sur lui. C'était peut-être un vieil amant qu'elle a voulu larguer. Fais attention à ce que tu dis sur cette dame. Mais moi, je n'y crois pas à cette version du suicide. Il était peut-être shooté, non? Il n'a rien dans l'estomac? Si, une pizza complète en 10 hors d'œuvre, ensuite un steak frites. Il a pris un gorgonzola et une carafe de Saint-Émilion. Et une crème caramel comme dessert. Rien de suspect dans tout ça. Exception faite, Saint-Émilion. Pourquoi? J'aurais choisi Bourgogne. Ou un petit rosé, peut-être. Oh, oui, un rosé. Je les entends comme si j'y étais. La presse ne cessera pas de m'interroger. J'ai pas le courage d'affronter ça. J'aurais jamais dû accepter ce voyage, Anaïde. Je vous assure que ça se passera très bien, madame. Très facile pour vous de le dire. Vous travaillez pour moi que depuis 3 mois. J'ai pas affronté ce genre de choses depuis 3 ans. C'était en 62. La comtesse russe avait laissé son dernier centime sur le tapis, à la roulette. Alors elle l'a plongé là, devant mes yeux, droit dans la piscine. C'était au Martinez. J'étais là depuis 2 jours. Fermez les stores. Bien, mesdames et messieurs, je ne vous retiendrai pas très longtemps. Est-ce que l'un d'entre vous a vu cet homme traîner dans l'hôtel? Dans un des couloirs, à la cuisine ou ailleurs. Je suppose que vous savez que la loi punit ceux qui refusent d'aider la police dans ces enquêtes. Là, contre-plongée, tu me fais un panneau sur l'hôtel. Bien, oui, pas trop rapide. Tu t'arrêtes sur la foule à la gauche. Parfait. Excellent. Maintenant, tu zoomes léger. Stop. Maintenant, tu gardes le camion. Bonjour, comment ça va? Ah, regarde ça. Hé, tu vois ce que je vois là-bas? C'est bien énorme. En face de toi. Ah oui, il est avec nous. Il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Où est Ottavioni? À l'intérieur. Il énerve. Tu parles. Victor Hugo spoke of an earthworm in love with a star. Madame, never in entire life. Non, ridicule.
Pas de photo, Anaïl, ils sont bien trop nombreux. Elle répondra à vos questions lors de la conférence de presse. Ok, ok, laissez-la tranquille, reculez. Allez, non, marche arrière, par là. Arrêtez-vous-en. On vient de vous dire d'attendre la conférence de presse. Qui êtes-vous? Tom Lepsky, International Fidélité. Je suis ici pour l'émeraude. Ils sont tous là pour ça. C'est ça, la fameuse émeraude, ce qu'elle a au cou. C'est ridicule. Tout ça pour un caillou. Quel caillou? C'est elle que je veux filmer. Elle est assez incroyable. Comme le fait de se montrer après 3 ans et pour vendre ses robes pour la recherche sur le sida. Peut-être que je suis un groupie, mais je te le dis, je suis éblouie. Madame, jamais de toute ma longue vie, je n'ai eu la chance. Ottavioni, on m'a chargé de votre sécurité. Et cette mission est de loin la plus agréable qu'on m'ait donnée de toute ma carrière. Bien d'autres ont parlé de tous vos films, mieux que je ne saurais, mais je veux que vous sachiez que si j'ai un magnétoscope, c'est pour vous regarder. Vous n'auriez pas dû, inspecteur. Je suis très touchée. Merci. Merci, madame. Vous venez, Anaïl? Mis à part l'after-chef, tu as été parfait. Là, j'ai un cœur, moi, et non un ordinateur. Alors, on y va. Au nom de l'Hôtel Majestic, j'aimerais remercier Miss Barbara Jenkins de nous avoir honorés de sa présence. Et au nom de la ville de Cannes, du MIDEM et de ses participants, remercions-la d'avoir accepté de présider notre vente de charité au profit de la recherche. Miss Jenkins va répondre à vos questions. Oui? Oui, Marc Ferry, du Figaro. Miss Jenkins, voici 2 ans, vous avez eu le prix d'interprétation au Festival du film ici à Cannes. Durant ce même festival, vous avez perdu votre mari. Lequel de ces deux événements vous occupe davantage l'esprit aujourd'hui? Mes pensées actuelles ne sont axées que vers l'avenir. Le MIDEM est devenu un grand événement et Cannes est la scène de ce spectacle. C'est donc le lieu idéal pour attirer l'attention du monde sur ce que j'appellerais la peste de ce 20e siècle. J'entends bien, mais votre mari... S'il vous plaît, une autre question. Jacques Dropier, VSD. Le sida semble un sujet un peu grave pour une comédienne dont les films sont, somme toute, plutôt légers. La légèreté de l'artiste lui permet d'adresser des messages là où échouent les journalistes. J'espère m'être fait comprendre. Oui? Marc Follin, Libération. Miss Jenkins, c'est tout à votre honneur de participer à cette grande vente de charité. Ravi que ça vous plaise, Monsieur Follin. Bien sûr. Mais parlons un peu de cette émeraude que vous portez autour du cou. Sa valeur est de 5 millions de dollars. Assez de sous-entendu. Cette émeraude appartient au domaine privé, aussi je n'ai pas l'intention d'en parler. Et maintenant, mesdames et messieurs, il me faut avouer que les 4 heures de bateau, j'arrive de Sardaigne, m'ont épuisée. Je suis prête à accorder volontiers des interviews, si c'est pour cette grande cause, mais non s'il s'agit de répondre à des questions déplacées. Merci. Et t'as vu un peu cette émeraude? Qu'est-ce que tu ferais avec 5 millions de dollars, hein? Robert? Hé, hey, c'est toi, Robert? Mademoiselle, ces vestiaires sont réservés au personnel. Il faut faire le 3 pour appeler le room service. Eh bien, que désirez-vous? J'ai perdu un bouton.
Regardez. Où? Et c'est assez indécent. Vous auriez du fil à une aiguille? J'ai ma coupure là, mais la femme de chambre laisse toujours des petites trousses dans le placard. Oh, tenez, merci. Voilà. Vous êtes très bien torse nu. Sans votre uniforme. Vous avez des projets? J'ai moi aussi une coupure d'une heure. Merci, mademoiselle. Non, je crois que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. J'ai très bien compris ce que vous me disiez, mais il est hors de question que j'enlève mon émeraude. Mais pourquoi prendre des risques? C'est insensé. Jamais je ne l'ai enlevé. Pourquoi? C'est quoi? Un symbole? Je ne vous le dirai pas. Ce bijou fait partie de ma vie privée, et la presse a déjà trouvé le moyen de m'en parler. Anaïde, quel est le programme de l'après-midi? Vous êtes attendue pour des photos à 3h au Palm. Jeez! Qu'est-ce que je fous ici, du babysitting pour une star? La répétition de la soirée, puis vers 11h, c'est la vente. J'annule tout. J'ai dit ce que j'avais à dire à la conférence de presse. Mais c'est Hubert de Josselin qui devait vous interviewer. Ça m'est tout à fait égal. D'accord pour les bonnes œuvres, mais je refuse d'aider Hubert de Josselin avec ses potins. Merci, Anaïde. Elle est trop efficace et ça m'exaspère. Elle n'a pas l'air de saisir que je viens de vivre 2 ans toute seule sur une île et que je ne suis plus dans le circuit. Ça peut paraître étrange, mais la foule me fait peur. J'ai très peur des gens autour de moi. Ils me font peur aussi, mais pour d'autres raisons. C'est à cause de cette émeraude qui vole. Oh, vous n'allez pas recommencer. Excusez-moi, mais je ne fais que mon travail. J'y tiens un peu. Je n'habite pas un château en Sardaigne, moi. C'est votre problème. Non. Mon problème, c'est une actrice qui est folle au point de circuler avec un caillou que mon employeur lui a assuré pour 5 millions de dollars. C'est plein de tarés, là, dehors, sans parler de des gangsters, des rats d'hôtel et le reste de la pègre. Alors ici, je mets un panneau qui clignote « Danger ». Enregistré. Dernier avertissement. Tant mieux. Au revoir. Tom. Et si vous restiez là? Je serai plus sécurisée. C'est mon travail, Miss Jenkins. Barbara. Barbara. Daisy. Je suis si bien là. J'étais si triste hier soir. J'ai vu le type tomber. Je l'ai vu descendre par le toit. Par le toit? Comment il a fait ça? Mais pour tout dire, d'abord il faut que tu m'embrasses. Raconte-moi. Comment a-t-il donc passé par le toit? Il est descendu par le toit. Il prenait des photos de votre chambre. Et quand il a découvert qu'il était coincé, il a sauté. Et alors? Ben, il s'est tué, bien sûr. Et c'est pas très logique. Mais ça prouve qu'on pourrait s'introduire ici et vous piquer cette émeraude. Aidez-moi, Miss Anaïde. Si vous pouviez convaincre Miss Jenkins que ce que je redoute pourrait se passer... Anaïde? Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Et merci de votre aide. Écoutez, Miss Jenkins... Vous n'enlevez jamais ce truc? Quand il a découvert, coincé, il a sauté. Mais c'est tué, bien sûr. Ça vient de l'appareil de notre illuminé. Une chambre du Majestic. Seul un pays de l'Est accuserait d'espionnage. Mais il s'est tué, ce mec, Marcel. Eh bien, c'est ce qui prouve qu'il était dingue. Point final. Il se passe quelque chose dans cet hôtel. Il a raison. Je le sens aussi. Non, c'est son aftershave dégueu que tu sens. Écoutez, ces empreintes ne sont pas au fichier. Et le seul élément qu'on ait, c'est ce paquet inutile de photos.
si vous voulez être créatif. Alors repassez à la morgue et faites faire un bilan de sa cervelle. On saura enfin à quoi il pensait. Salut beauté, salut Mike, bienvenue à bord. Allez, on révise. Daisy, tu commences. Ok, tu es donc à l'office du sixième. Alors, il y a un passe-plat et sur la droite, l'escalier de service. La cachette, c'est le placard et on sort par le corridor à droite. Et là, c'est direct, on arrive tout droit au toit. Oh, mon agent secret préféré est génial. Alors, pour le matériel, où en sommes-nous? Tout est prêt. Quel est cet autre boulot? C'est seulement l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Quand on est trop gourmand, on risque de se retrouver en tôle pour très longtemps. Écoute, les opportunités de ce genre, ça ne se loupe pas. Ok. Qui d'autre sera présent pendant cette séance de photos? L'attaché de presse, le photographe. Quelle belle fleur. Pas de reporter et pas de balou. Votre talent est éternel. Je pense deviner qui c'est. Il est gentil, l'inspecteur. Allons, chérie, je t'en prie, ne fais pas d'histoire pour rien. Ça, alors, d'après toi, c'est rien. Un cinglé a tripé mon lapin et il travaille dans cet hôtel. Chérie. C'est vraiment... J'en ai pour une minute. Il ne dessoule pas. Bon, c'est bien que pas un seul membre de mon personnel n'irait s'en prendre à une peluche. Oh mon Dieu, il y en a partout, oh mon pauvre petit là. Soyez assurée, madame, que nous connaîtrons le fin mot de cette histoire. Quelques trous dans un lapin, c'est pas grave. Mais qu'on puisse entrer chez nous, ça, c'est plus ennuyeux. Rien ne manque? Je serais déjà au commissariat en ce moment, si c'était le cas. Il était dans cet état? Mon cher mari, il est toujours dans cet état. Non, je parle du lapin. Ne revenons pas sur le sujet. J'ai horreur des scènes. Chérie, on installe au Carlton demain. D'accord. Non, madame, je vous en supplie. Vous n'allez pas faire une chose pareille. Ça n'est pas possible pour la réputation de l'hôtel. Ma réputation, au bout de 30 ans de direction, je vous en prie. Je vous offre tout ce que vous voulez. Annulons la séance de photos. Mais il est trop tard pour les prévenir maintenant. Sachez, Anaïde, que je n'ai aucune intention de me relancer dans le métier. La vente de charité est l'unique raison de ce voyage. Monsieur Lebski, voulez-vous me conduire en ville, s'il vous plaît? C'est vous le boss. Thank you.
Mon père a tous vos films. C'est vrai. Est-ce que je peux avoir votre autographe? Est-ce que je peux sacher votre autographe? J'aimerais bien sacher votre autographe. Oui. Hey! Il a volé! Mais oui! Genre, sans pitié. Je sais. Parfois, elle me fait peur. Peur à vous? Anaïde ne fait jamais d'erreur. Elle se charge de tout, n'oublie pas un détail. Les personnes comme elle sont effrayantes. Je trouve que les êtres humains doivent être plus chaleureux. Aïe! C'est vous qui jouez avec le feu, c'est moi qui me fais brûler. Oh, mille excuses, Tom. Vous voulez bien qu'on rentre directement à l'hôtel maintenant? On va dans l'arrière-pays. Il n'y aura personne. Et votre planning, alors? Il y a un endroit que je veux revoir. C'est pour ça que je suis revenue. Te voir. Tu sais, on devrait te mettre en bouteille, tu te vendrais comme des petits. J'y retourne parce que tu as vu le travail. C'est Michel, c'est lui qui a créé tous mes costumes à l'époque. Je me sentais bien mieux là-bas. Ah ouais? On dirait pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, après tout, c'est pas mes oignons.
Ça n'a jamais été un accident. Il a laissé une lettre et ceci. Il ne disait rien sur son suicide. Finalement, ça aurait peut-être été mieux qu'on vous la vole. C'est peut-être ça que je recherche sans le savoir. J'aime mieux être prévenu. J'ai peu de chemises en stock. Vous savez, je ne suis pas aussi attachée au passé que vous me croyez. D'ailleurs, je mets aux enchères toutes les robes de mes filles. Et Jed Kane avait choisi chaque détail de chacune d'elles. Bon, je vous présente Dimitri Vassiliev. Il va faire l'ouverture du gala ce soir. Bonjour. Comment vas-tu, Dimitri? Je suis heureuse que tu ouvres mon gala ce soir. J'aurais préféré le conclure. Mais les Français préfèrent l'argent à l'art. Toi, tu n'as pas changé. Merci. En fait, j'allais dire que c'est regrettable. Carole? Mais où es-tu? Tu veux pas arrêter ton numéro? Oui, oui, j'ai déjà entendu tout ça. Barbara, à tout à l'heure, ok? Ok. Alors, t'as sauvé la star? Ouais, j'ai encore fait ton boulot. Le pickpocket s'appelle Jean-Pierre Vignon. Il était déjà fiché. Ça n'a aucun rapport avec le suicidé. Tout ça, c'est étrange comme histoire. Mais pourquoi il nous portait que du gris? C'est drôle, ça. Moi aussi, mais... Vous n'allez pas recommencer. Un gars déguisé en passe-muraille saute par la fenêtre, un petit voyou essaie de piquer une émeraude, et un autre fêlé s'offre un lapin en peluche. Je peux te dire ce que ça me fait comme effet, ça? Allons boire un coup. C'est ma tournée. Étrange qu'un aussi grand artiste soit d'un tel cynisme. Parfois, ils jouent les cyniques et parfois, ils se planquent dans leur château. Oh, chérie, tu trouves ça pas joli? Si seulement tu avais continué, tu ferais les concerts aujourd'hui. Si j'avais continué à jouer, tu serais resté derrière ton comptoir de lingerie. Et ta ferraille serait bien sûr en plastique. Tu avais de l'or au bout des doigts. C'est du gâchis. Oh! 3000 francs la nuit et on trébuche sur des vieux sandwichs. 3000 francs la nuit et en échange, ton lapin est éventré. Hier soir, le personnel n'a pas fait son travail. Tu dois te plaindre aux directions et tout de suite. Oui, chef. Je crois que je vais aller parler avec le valet de chambre. Je le trouve vraiment très gentil. Il ne fait que son job. Il y a des moments où je ne vous comprends pas du tout, Anaïde. Mais tu dis n'importe quoi. Arrête ton cirque, tu veux? Voilà ce qu'on va faire. Comme je ne suis pas un salaud, je vais te laisser choisir. Ou tu me le dis à moi, ou tu vas le dire aux flics. All right. J'étais bien dans la chambre. Mais j'avais rien à y faire. J'ai remplacé Robert pour qu'il puisse rester chez lui voir son match. En cas de récidive, Vallier a menacé de le virer. Ok, ok, on progresse un peu. Et en plus, j'aurais tendance à te croire.
C'est donc vrai? Emmanuel n'est plus des nôtres? Il a préféré se jeter du balcon plutôt que se rendre. Il a agi selon la loi. Et comme les prophètes l'avaient annoncé, elle a concouru à sa perte et s'est effondrée. C'était là le destin de la grande Babylone. Elle est devenue la ville d'asile de tous les démons, la prison des esprits impurs. Emmanuel est mort. Frère, une triste nouvelle. Emmanuel, la plus pure de nos âmes, a quitté ce monde. Entrez. N'ouvrez pas maintenant. Nous trinquerons un peu plus tard. Pas question. Tu l'ouvriras toute seule et t'oublieras pas de trinquer à ma santé. Qu'est-ce que tu es bon, mec. J'ai envie de faire l'amour. Petite salope, si j'ai des ennuis, ça sera de ta faute. Content de t'avoir. Écoute, il faudrait que tu te renseignes sur Gerald Corbin. J'ai dans l'idée qu'on tient une piste. Tes idées, ça me laisse froid, hein? Écoute-moi, je crois que c'est un rapport avec cette peluche, tu sais. Et tu me déranges pour cette histoire de lapin? Marcel, je te jure. Oui, d'accord. On se renseignera sur ton Corbin. Bon, écoute, il y a urgence, ça, je raccroche. Oh! Et... Quel con, Solepski! Excuse-moi, je retire ce que j'ai dit sur tes idées. D'accord. Allons-y. Non, il n'est pas là. Lepski. Bon, inspecte sa chambre au lieu de rester là à nous regarder comme un idiot. Oui, chef. Lepski, t'as peut-être mis dans le mille. Gerald Corbin n'a jamais existé. C'est un faux nom. Pour l'ordinateur, c'est pas ça. Aucun Gerald Corbin. Pas un seul. Alors qui c'est? Alors qui c'est? Alors qui c'est? Yes, entrez. Good evening, madame. Good evening, monsieur.
Mais qu'est-ce que c'est? On n'a rien commandé, je crois. Vous savez, Monsieur Vallier est extrêmement embarrassé de ce qui s'est produit chez vous, de cette charmante chose qui a été cassée. Il espère que vous passez une merveilleuse soirée et que ces petites bulles de champagne sauront vous faire plaisir. Il est très aimable. Remerciez-le de notre part. C'est moins cher qu'un nouveau lapin. C'est l'intention qui compte, Donnie. Ok, garçon, coulez l'intention. Qu'est-ce que tu as, Donnie? Ah, I don't like all this. Why, tu es aussi désagréable. Voilà. Une charmante attention de la part de la direction. Oui, oui. Tu pourrais au moins être aimable avec ce garçon. Oui. Voici un verre pour madame. Merci. Et un verre pour monsieur. Ah, merci beaucoup. Good night. Garçon, garçon, pensez à remercier ce monsieur. Voyez-vous, je suis la seule qui comprend le sens d'humour de mon mari. C'est un grand privilège pour madame. Bonne nuit. Mais donc vous, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, vous. Ah! Oh! Sayonara. Escalier de service, au bout du couloir. Dernière porte, la lingerie, sur la droite, le mont plat. Escalier direct à l'étage en dessous. Là, je longe le corridor et à gauche, je trouve l'autre lingerie. Allez! Utiliser les grands moyens, on bloque toutes les voies. Et je questionne tout le monde, cette fois j'en ai marre. Mais tu t'énerves là. Tu t'énerves. Barbara Jenkins n'est pas un chef d'État, Marcel. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Boucler tout le secteur tant que tu y es, tu boucles toutes les frontières qu'on rigole à beaucoup. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé ça chez Gérald. Son vrai nom est Roger Bosquet. J'ai eu des renseignements. Il a travaillé au Normandie, à Deauville. Il a fracturé le cou d'un client du resto. Il est en cavale depuis 8 mois. Alors c'est pour ça qu'il parlait pas. En associant au suicide, j'ai fait erreur. Fausse alarme. Fausse alarme va aller en taule pour avoir agressé son patron. Ça n'était pas Gérald. Quoi? Ça n'était pas Gérald, je vous dis. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on passe du gris clair au brumeux pour atteindre le noir absolu. Trouve-le, crétin. On prend un verre. J'ai besoin de parler à un être humain. Tiens, je serai à la hauteur. Miss Jenkins, est-ce que je peux disposer de ma soirée, s'il vous plaît? Alors, on sort? C'est merveilleux. Monsieur Levski va m'amener dans sa voiture au théâtre, alors je vous laisse la mienne. Merci, Miss Jenkins. Est-ce qu'elle sort très souvent? L'église, le dimanche. Comment vous l'avez connue? Est-ce que ce serait trop demandé que l'on parle d'autre chose que cette foutue émeraude? Écoutez, Monsieur Woodward. Mais qu'est-ce que je suis censé faire là-dedans? Vous le saviez très bien, Levski, vous deviez surveiller cette émeraude. Je ne sers à rien. Quel est votre problème? Elle ne me supporte pas et je ne la supporte pas davantage. Débrouillez-vous, je ne sais pas suivre la distance. Et une seconde. Pour un type comme vous, ça ne doit pas être très, très difficile. Vous êtes un spécialiste, je vous ai vu. Vous avez fait des choses beaucoup plus difficiles par le passé. Même récemment, dans cette affaire de statuer Denis Levski. Je vous rappellerai. On fait la fête. Champagne, c'est tout. OK.
chat. Je vous adore. Mais c'est un vestiaire. Ah, mais oui, c'est ça. Non. Es-tu prêt, chérie? Calme. Roulez, Daisy. La porte. Moonlight in Vermont. Ça roule, Daisy. C'est elle. Tu crois? Miss Jenkins, please. Je suis désolé, Miss Jenkins. Je ne pourrai pas assister à la soirée. Je dois m'occuper d'une affaire urgente. Il faudrait que je te parle, s'il vous plaît. Vous restez avec madame. Viens, Tom. Je reviens tout de suite. Hein. On n'arrive pas à mettre la main sur ce Gérald, ni d'ailleurs sur l'agresseur de Vallier. J'ai pas d'indice pour le suicide, mais toi, lâche pas des yeux cette émeraude. Hein? J'ai dans l'idée, tu sais, que toutes ces affaires sont liées. Dis, t'as l'intention de répéter ça sans arrêt. Ok, parfait. Écoute, elle m'attend pour rentrer. Il y a vraiment des gens qui ont tous les mots. Et c'est une chance pour toi que la vie soit injuste, sinon tu n'arriverais jamais à rien. Voilà une pensée profonde, je tâcherai de la méditer. Would you like to make a statement, Miss Jenkins? What are your plans for the future? Hello. No. Dites-lui que je n'ai le cours. Mais il était réservé. Oui, je paierai le déplacement. Bien, monsieur. Non, on va rester. Très bien, monsieur. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'ai entendu 30 000 francs sur la droite. Allons, je suis certaine que vous pouvez faire mieux. 34 000. Merci. Merci. Et voici la robe que j'ai portée dans le film La fille de Séville. À sa sortie, toutes les élégantes de Paris ont choisi d'adopter la mode andalouse. J'ai bien peur d'avoir été responsable de quelques angines. J'ai vraiment hâte de rentrer sur mon île. Et si vous mettiez ça en vente? C'est trop tôt encore. Nous tenons à vous remercier. Merci. Merci
Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur. Vous avez été très généreux ce soir. Si j'ai mis aux enchères mon passé, c'est pour que d'autres puissent avoir un avenir. Cet avenir, nous l'avons créé ensemble. Merci. Merci de tout cœur. Qui est là? Inspecteur Ottavioni, je tiens à vous poser quelques questions. Vous pourriez faire quelque chose pour moi? De quel genre? Genre loup au fenouil, hein? La chambre ne répond pas. Elle veut être tranquille. Pas son genre. Elle a peur des hommes. Et moi, je suis pareil. Oh, ça roule, Bradley. Pas. Ça fait trop longtemps. Ça revient tout seul. C'est comme le vélo. Je fais pas de vélo. Ou nager, c'est pareil. Je nage pas. Vous faites quoi alors? Du tricot. C'est comme le tricot. Voilà, j'arrive. T'écoutes, quoi de neuf? Rien de spécial, sauf je viens d'apprendre comment faire la truite saumonée ou morille. Mais j'ai pas les ingrédients, je t'en ferai une demain. Non, je suis au régime et puis j'aime pas trop. Voyez-vous ça? Tu la surveilles de près, ton émeraude. Raccroche vite, ou je te crève le ventre. Mais qu'est-ce qui vous prend, Anaïde? C'est toi qui frôle. Tu vas appeler la chambre 306. C'est une équipe de télé. Dis-leur de s'amener. Dis-leur que les purificateurs veulent passer à l'antenne.
qu'ils détiennent Barbara Jenkins en otage et qu'ils ont donc intérêt à se grouiller. Allô, chef. Oui, je sais qu'il est très tard. Mais c'est cette secte, les purificateurs. C'est ça, ceux qui attaquaient les homosexuels à Saint-Tropez. Ils tiennent en otage Barbara Jenkins et Tom Lepsky. Envoyez-moi un commando au Majestic, de toute urgence. C'est la merde. On est dans la merde. Passe-moi les habits du vieux. Vite! Tu étais trop gourmand. Jamais. Hébert de Josselin, c'est parce que je suis sous la menace d'une arme que je vais dire ces choses. Autrement, je vous assure qu'au grand jamais je ne ferai ces déclarations. Fernard, c'est moi qui vais parler. L'horrible Babylone renaît de ses cendres. Où que l'on porte son regard, on ne voit que saleté. Corruption et déchéance. On s'apprête à dépenser des fortunes. Et tout ça dans quel but? Épargner leur sale vie? Il n'est qu'un seul salut et il est dans leur destruction. Coupez! Je refuse qu'on envoie ces conneries à l'antenne. Si ce que j'ai dit ne passe pas au journal de ce soir, ce sera leur tour. Ça, c'est pour Emmanuel, qui l'a forcé à se sacrifier. Hein, Daniel? Oui. Vire le caméraman. Dégage. On ne voit que saleté, corruption et déchéance. On s'apprête à dépenser des fortunes. Et tout ça dans quel but? Épargner leur sale vie. Il n'est qu'un seul salut, il est dans leur destruction. Coupé! Je refuse qu'on envoie ces conneries à l'antenne. Ah, elle va certainement au bout des choses. Son attitude le démontre, mais regardez un petit peu le langage de son corps. Il est clair qu'elle agit de sang-froid. Mais son fanatisme est quelque chose de suicidaire. Il ne m'étonnerait pas qu'elle souhaite inconsciemment sa propre mort. L'autre démon nous a bien cité la Bible avant le grand plongeon. Eh oui. Aucune demande de rançon. Tout ce qu'ils exigent, c'est que leur déclaration passe à l'antenne ce soir. Ça nous laisse une quinzaine d'heures pour agir. Ils vont vouloir une voiture. Qu'ils la prennent. On sera plus à l'aise en dehors de l'hôtel. Bien raisonné. Ok, Ottavioni, c'est à vous de jouer. Informez-moi si vous avez du nouveau. Écoutez, je joue à Londres demain soir. Alors laissez-moi me reposer. Oui, je veux une autre chambre. Avancez, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Nous avons reçu des ordres. Mesdames et messieurs, la police ne fait que son devoir. Il faut appeler un médecin. Il a peut-être encore une chance. Encore un mot de l'un d'entre vous, et je vous jure que je l'achève. Passe-la moi. Nous sommes désolés, nous avons des consignes très strictes. Tous les clients de l'hôtel doivent passer par là. Allons circuler, l'accès de l'hôtel est interdit. C'est un vieux monsieur que j'emmène, il faut qu'il soit à l'aéroport dans une heure. Ce vieux monsieur doit rester à l'intérieur comme les autres clients. Et il est là, je le vois, il m'attend. Je vous ai dit de circuler. Écoutez, laissez-moi aller. Je vous dis, ou je vous embarque, compris? Allez, reculez maintenant. Je veux sortir tout de suite. Par ici, suivez-moi. Je vais me sentir mal. La voix serait pas mort sur la conscience. Je vous assure que j'ai entendu un coup de feu cette nuit. Je n'ai pas regardé l'heure, mais il était... Si vous ne me laissez pas dormir, je n'arriverai jamais à jouer. C'est impossible. Et je donne un concert alors. Moi, je ne peux absolument pas rester là. C'est un scandale. C'est un scandale. J'exige de voir le directeur. Le serveur a dit que c'était offert par la direction. Jenny avait mis ses plus beaux bijoux et j'ai perdu connaissance d'un coup. J'ai plus rien senti. Blackout. J'étais même à Jeanne. Enfin, presque. Don Cherry. Tous ces bijoux.
C'était tellement symbolique de tous tes succès. C'est affreux comme il me manque, chérie. T'en fais pas pour ça, chérie. Promets-toi. Allons-y. Debout. All right. Voilà, voilà. Et si elle tient toujours cette grenade, personne ne bouge. On est d'accord. Personne ne bouge. Tu m'as encore mis dans une jolie merde, Marcel. Hein, ça va. Ne faites pas ça. Vous ne vous en sortirez pas. Vous n'avez pas une chance. Tu veux qu'on parie? Si l'enregistrement ne passe pas au journal de 20 heures, on va se payer une belle explosion. Mesdames et messieurs, mes chers clients, avant tout, je vous remercie et je tiens à vous féliciter de la grande patience dont vous faites preuve. Je suis malheureusement obligé de mettre celle-ci à contribution une fois encore. Vous croyez bien que j'en suis désolé, mais deux clients ont été victimes d'un vol important. Nous sommes donc obligés de fouiller chacun d'entre vous avant que vous ne sortiez ou demandiez votre note. Je vous prie sincèrement de m'excuser pour tous ces fâcheux contretemps et les désagréments qui sont, croyez-le bien, totalement indépendants de ma volonté. Ça ne sera pas plus pénible que lorsque vous passerez à la douane. Grâce.
Descendez-vous. Oh, d'accord, ok, on y va, doucement. On a été baisé dans ce tunnel. Bien choisi ton moment. Tu pourrais nous remonter là-haut. Madame a perdu un objet. Ceci nous donne un avant-goût de Barbara Jenkins dans son dernier film. Barbara, je sais que des millions de téléspectateurs dans le monde entier ont hâte, comme nous, de vous retrouver enfin sur un grand écran et donc découvrir Passer une bonne nuit. Mais avant que nous n'en parlions davantage, qu'est-ce qui vous a soudain décidé à revenir sur la scène internationale? Eh bien, c'est très simple. J'ai renoncé au tricot et je l'ai remplacé par la natation et la bicyclette. Ah. Et l'émeraude, elle l'enlève jamais. Et comment veux-tu que je le sache? Alors, c'est une partie de poker. C'est pour aujourd'hui. Oh, Lipski, monsieur Lipski, on vous appelle au téléphone de votre voiture. Regardez.
Ça y est, le voilà reparti. Non, mais il a le faux derrière celui-là. Hein. C'est pas vrai. Oui, j'écoute. Ah! Attends, serre-moi d'où un pastis à la tada là. Ça, d'accord. Nous avions tort tous les deux. Non, je travaille pas là. Là, je joue aux cartes. J'arrive. Takes ability, that's the key.